Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine avec Fifi. Le journal créatif de la semaine, on en est au numéro 66. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as entendu le bruit ? Oui, numéro 66. Ça commence à faire, hein ? Oui. Bon, la star se met devant, hein, devant l'écran. Je souhaite d'abord la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui se sont inscrits sur la chaîne cette semaine. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez vous plaire sur ma chaîne et que vous aimerez ce que vous allez y trouver. Alors, le journal créatif, bon, je répète toujours toutes les semaines ce que c'est, mais c'est surtout pour les nouveaux, justement, les nouvelles qui se sont inscrits. Bon, les nouveaux, les nouvelles, ça, c'est Fifi, c'est Petit Pot de colle, c'est la star de la chaîne, c'est la mascotte, hein. Donc, je disais, oui, le journal créatif de la semaine, je vous montre tout ce que j'ai fait sur ma semaine, principalement en broderie et également en tricot, en crochet. Et il peut y avoir de temps en temps d'autres loisirs créatifs quand j'en ai fait. Voilà, tout simplement. Comment ça se passe? Alors, chaque semaine, donc à chaque vidéo, je fais un tirage au sort avec la roue des broderies que je ferai sur ma semaine. Mais il y a également des broderies, ce que j'appelle obligatoires, c'est-à-dire les duos, trios, en groupe, les salles, voilà. Vous me voyez ? Je suis là. T'as vu quelque chose? T'as vu un fantôme? Bon, on va se mettre là, hein? Ce sera mieux. Oui, donc il y a les obligatoires. Et après, je fais un tirage au sort pour avoir quelques broderies en plus pour la semaine. En sachant qu'il y a la broderie du lundi. Donc, la broderie du lundi, je choisis une broderie qui est soit près de la fin. Donc, j'essaie de la terminer à ce moment-là. Ou alors, une broderie que je n'ai pas brodée depuis un petit moment. Donc je la sors le lundi pour l'avancer. Il y a également le HAED du mercredi que j'ai mis en place il y a quelques semaines. Donc le mercredi, je travaille sur un HAED, donc toute la journée je ne fais que cette broderie là. Merci. voilà, tout simplement. Il y a également mon challenge. Alors, mon challenge, c'est je me prévois de faire au minimum 3000 croix par semaine. On voit à la fin de la vidéo, enfin à la fin de la présentation des broderies, si j'ai réussi ou pas. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de la vidéo. Oui, et puis je vous montre donc du tricot, si j'en ai fait, ou du crochet. Allez, donc, la semaine dernière, alors dans les obligatoires, j'ai le sampler 124 que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Je fais le Star Dragon avec Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty. Long Dog Sampler que je fais avec, alors là je prends mon petit mémo. Ça y est, j'ai perdu mon mémo. J'ai perdu mon mémo. Ah, voilà. Alors, le Long Dog Sampler que je fais avec Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread.
avec Sonia, Diamant Rose et avec Amélie de Dazing et Diamant. Ensuite, j'ai mon Lily Point Chat que je fais en duo avec Céline, qui elle n'a pas de chaîne. C'est une de mes abonnées. Je fais, alors depuis cette semaine, j'ai commencé donc le Black Rose de chez All Forest, que je fais en duo avec Letty, mais j'ai d'autres abonnés qui le font également, et des membres de mon groupe de broderie qui le font en même temps que nous. Et ensuite, j'ai mon HAED, l'hibou du savoir, que je fais en trio là, avec Amélie de la chaîne Des Inc et Diamants, et avec Ludovic, qui est un de mes abonnés et membre de mon groupe. Voilà. Je crois avoir fait le tour pour les obligatoires. Il y a également le SAL que j'organise en partenariat avec Poussière d'Étoile, l'ABC Automne. Donc, c'est un SAL qui se fait en 4 étapes. On commence d'ailleurs aujourd'hui la 2e étape. C'est tout, ouais. Et donc la roue m'a tiré au sort le colibri de chez Poussière d'Étoiles, l'aquarium de Lucas, mon Autumn Quaker, mon hibou. Donc c'est pas le même que le HAED, hein. Là c'est un hibou qu'une abonnée m'a offert. Et pour l'HAED du mercredi, c'était mon HAED de la japonaise que je suis en train de penser que j'ai oublié de sortir. Je vais aller chercher tout de suite après. Et la broderie du lundi, c'était mon Fox de Cottage Garden. Voilà, ben là je crois avoir vraiment fait le tour. Je fais déjà, malheureusement, mais pour vous il n'y aura pas d'incident, je fais une pause de 2 secondes, je vais chercher mon HAED que j'ai oublié par là, et on voit tout ça. Me revoilà, j'espère ne plus rien avoir oublié. Alors, on va commencer. Alors, sur mon groupe, j'avais marqué « L'ai-je fini ou pas fini ?» Voilà, c'était du coup pour ma broderie du lundi. Donc, je voulais avancer et si possible terminer mon Fox de Cottage Garden. Alors, à votre avis, fini, pas fini ? Fini et encadré, voilà. Il est-il pas mignon, mon petit Fox? Trop mignon. Je suis contente. Alors, je voulais absolument le terminer. Et du coup, ben, je l'ai fini. J'ai fini quand? Je sais plus. J'aurais pu vous dire. Mais bon, c'est pas très grave. Mais je voulais absolument le terminer et je savais pas. Alors, par contre, j'ai des petits soucis là avec le cadre. La colle est passée à travers. Mais bon, on verra bien. Peut-être que je changerai le cadre une prochaine fois. Bon, Chouchou, il dit que ça se voit pas, mais bon, moi je le vois. mais j'aimerais bien trouver des cadres un peu plus rustiques pour ces broderies là, mais bon, pour l'instant il n'y en avait pas à Action, donc là c'est un cadre tout ordinaire de chez Action, et en plus c'est une vitre en verre, j'aime pas beaucoup. Donc voilà, il est fini, tout fini, tout fini. Et un plus, enfin une de plus. C'est vrai qu'en ce moment, ces dernières semaines, j'ai quand même fini plusieurs broderies. Et bah, je suis contente. Parce que bah, du coup, ça vide un peu mon panier.
Non, mais il est chouette, j'aime bien. Voilà. Il est tip-top. Alors, je vous dis peut-être que je changerai le cadre hein, par la suite. Je vais voir quand à Action, ils auront le cadre que je souhaitais. Je rechangerai certainement, mais on verra. Voilà. Il est tout beau, mon petit Fox. Donc, ça, c'est un modèle de chez Cottage Garden. C'est une série de 12. C'est là. Ah ben, décidément, j'ai laissé le papier là-bas. Alors. C'est donc cette série-là. Moi, je vais vous le dire en français, un an dans la forêt. Et donc, celui-là, c'est le numéro 1. Voilà. Il est tip-top. Alors, cela, si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer en vitesse les autres. Désolée, j'ai un petit peu essoufflé ce soir. Non. Je veux écrire trop vite, alors ça va pas. En plus, si je l'ai, comme je l'écris en anglais. Alors, Cottage Garden. Hop. Alors, hop, 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 hop. Voilà, ici. Vous voyez, quand on veut le faire pour sur un an, vous voyez le plan qui prévoit donc soit avec des toiles différentes ou ici tout sur la même toile. Ça m'aurait bien plu. Mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé avant, mais bon, c'est pas très grave. Alors. Donc, alors, là, c'est en, là, c'est le 12, le 11, le 10, le 9. Hein, voilà. Voilà. Les autres. Et le signe. Le lapin. Oh, comment s'appelle celui-là? Je sais plus. Voilà. Comment il s'appelle celui-là? Raccoon, mais en français, c'est pas marqué. Bon, ben, c'est pas très grave. Donc voilà. Je ne sais pas lequel je vais faire après. Bon, il y en a un que j'aime pas beaucoup, mais bon, si je veux broder toute la série, je serais bien obligée d'y passer. C'est la chauve-souris. Elle est jolie, hein. Mais c'est la bestiole que j'aime pas trop. Mais bon, si je serais pour la faire, je la ferai en dernier, celle-là. Voilà. J'aime bien aussi, ben, c'est le renne, voilà, le renne, la chouette, ouais, c'est une chouette, la belette, ben, je les aime, ouais, ils sont tous très beaux, hein. Et le rat, ah, le raccoon, raton laveur, voilà, j'ai retrouvé son nom. Donc, voilà, alors c'est une série qui date de 2021-2022. Donc, pas si vieux que ça, hein. Mais voilà, donc il est fini. Trop contente, puis je trouve très beau. Bon, sauf le cadre, mais voilà.
C'est rien, je retrouverai un autre cadre, c'est pas un problème. Voilà. Alors, il me reste quand même pas mal de fil dans ce que j'avais préparé. Voyez. Donc, ça, je vais laisser sur la plaquette. Parce que si j'ai besoin de certaines de ces couleurs-là pour les deux autres modèles, ben, oui. J'avais quand même encore pas mal de fil. Et du coup, ce que j'avais racheté, j'ai utilisé. Alors, j'ai refait un bleu, j'ai remis un blanc. Voilà, celui-là. Donc le Simply Shaker de The Gentle Art. Voilà. Donc ça, j'en avais racheté deux et j'avais racheté deux comme ça. Et du coup, je m'en suis pas servi de cela. J'ai eu assez. Mais c'est rien, je les aurai d'avance pour un autre ouvrage, certainement. Je pense qu'il y a d'autres broderies qu'ils demandent. Alors, c'est le Burnt Orange. Burnt Orange. Vous allez voir est-ce qu'il me faut un burnt orange quelque part? Ah bah mince. Oh, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je pourrais m'en servir pour d'autres broderies. Non. La masse. Non. Bon, bah c'est pas grave, je les mettrai de côté et puis je m'en servirai pour autre chose. Voilà, même le blanc comme ça, j'ai pas l'impression qu'il me le faut pour d'autres broderies. Du coup, je pourrais enlever de la tablette là ce qui me reste, mais bon, vous voyez, l'orange il me restait pas beaucoup. Hein, le burnt orange il restait un fil, ouais, même pas. C'est un fil avec quatre brins seulement et un petit bout là. Voilà. Hop, donc ça. On met de côté. Ce n'est pas perdu. Hop. Alors, maintenant. Donc, le fox, c'est fait. Alors, le fox en tout, j'ai pour le terminer, j'ai fait 5, 6, 7. 900 croix quand même pour le terminer, donc ça va. Bon, je vais prendre au fur et à mesure que ça vient. Ça a été une petite semaine. Ça a été une petite semaine. J'ai pas eu l'impression de broder beaucoup cette semaine. Bon, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans. Hein. Ici, alors ça, je voulais absolument terminer de broder le mot absolument hier. J'ai posé ma dernière croix sur le mot de cette broderie à minuit. Minuit pile. J'ai dit, il faut que je finisse, il faut que je finisse, il faut que je finisse. Et je l'ai fini. Voilà. bon, pas la broderie, hein, bien sûr, hein, vous en doutez bien. Mais alors j'ai fait, hier j'ai fait celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, j'ai fait ces trois lettres-là. D'ailleurs, vous avez dû très certainement voir la vidéo. J'ai fait une vidéo en musique en train de broder. Donc, voilà. Alors, ça, c'est...
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Lily Point. Voilà, c'est celui-là. C'est une broderie que je fais pour offrir à mon infirmière pour Noël. Voilà. Donc, j'espère que je l'aurai terminé. Le morceau qui va être le plus long à faire, ça va être le petit calot d'infirmière, là. Je crois que ça va être ça, le plus long à faire. Mais bon. Et sinon, c'est un joli modèle. Alors, j'avais expliqué, hein, chercher un modèle pour donc faire une broderie sur le thème des infirmières. Et bon, il y en a plein, hein, de gratuites sur internet, mais elles sont pas tip top. Et du coup, quand je suis tombée sur la Lily Point, j'aimais vraiment beaucoup. Et là, une de mes abonnées m'a dit, je vais t'offrir la grille, je l'ai. Elle l'a déjà brodée, elle m'a dit, je vais t'offrir la grille. Je te fais encore un gros bisou pour ça. Donc, j'étais super contente. Voilà. Là, c'est un aimant, vous avez pu voir, de poussière d'étoile. Et je le brode sur une toile étamine, c'est couleur mocha ou couleur café, je sais plus. C'est l'un des deux. Voilà, je suis contente. Alors, ça, c'est fait, je vous l'ai montré. Alors, j'ai fait combien de croix, par contre? Ici. Plus ou moins 400 croix pour le Lily Point infirmière. Alors, ma tablette. Je prévois, hein, parce que si jamais j'arrive pas à mettre les photos... Je cherche la photo de ma binôme. Ah. Elle est là. Voilà. Alors, la photo. Elle est là. C'est mon duo que je fais avec Letty. C'est le Star Dragon de chez All Forest. Voilà. Et voilà où j'en suis. Donc, on voit bien la tête du dragon. Voilà. J'ai commencé une fleur qui est à côté. Voilà. D'en haut. Je la fais sur une toile de lin. Ah, j'ai encore laissé mon cahier là-bas. Ah, c'est insupportable. Hein. Je me mettrai des claques. Non, en plus, je suis très... J'arrive pas à me remettre. Je suis très fatiguée depuis un moment. Et j'ai du mal à me remettre. Alors, le Star Dragon, est-ce que je l'ai mis? Alors, j'ai pas fini de remplir mon livre de suivi de croix. J'ai pas encore tout mis dedans. En plus, j'ai fait une erreur de page. J'ai fait deux fois la même page. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Ah là 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 là. Non, je ne l'ai pas dans celui-là. Je ne l'ai pas mis dans celui-là. C'est pas grave. Je l'ai mis dans celui-là. Alors. Je me mets des petits post-it. Ah, ici.
Alors, le Star Dragon, je le fais avec une toile de lin 16 fils French Lace Spermine. Voilà. Et elle va très très bien cette toile, j'aime beaucoup. Alors, juste que vous voyez, elle est quand même assez transparente. Donc, je fais quand même attention de ne pas tirer mes fils. Parce que sinon, quand je serai pour l'encadrer, les fils risquent de se voir à travers. Quand je vais thermocoller la toile. Donc, juste à faire attention à ça, de bien aller tout le temps dans le même sens et de ne pas tirer mes fils. Là, je coupe si j'ai besoin et je repique là où j'ai besoin de remettre mon aiguille. Donc, voilà ma partie à moi. Moi, j'avais commencé par le milieu et voilà la version de Letty qui elle a commencé en haut à gauche. Donc c'est pas mal parce que comme ça on voit avancer la broderie dans les deux sens, si je peux dire comme ça. Alors on en est à j'ai mis on faisait avant 250 croix. J'ai chaud maintenant. On faisait 250 croix et j'avais demandé à Letty si ça lui allait qu'on passe à 300 croix. Parce que c'est vrai que c'est un modèle, on a du mal à s'arrêter. Et du coup, ouais, maintenant on fait 300 croix par semaine et ça va très bien. Pour l'instant, ça va très bien. Si un jour on trouve qu'il faudra encore augmenter un petit peu, ben on augmentera encore. Mais bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et je verrai l'année prochaine comment on va évoluer. Donc là, 300 croix 7 semaines, soit 1550 en tout de brodé déjà. Et on est à 4,68%. Voilà. Ensuite, j'en ai déjà un qui demande la pause pipi. Ben oui, pause pipi, je le sais. Tu sais que t'embêtes. Tu fais couper maman à chaque fois. Je suis là tout de suite. Voilà, première pause pipi, toutou, faite. Donc oui, je vous ai montré donc le qu'est-ce que je viens de vous montrer? Ah oui, le Star Dragon. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, c'est mon duo avec Céline. Alors, je ne sais pas si elle devait m'envoyer. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait la photo ce soir, mais je ne pense pas. Non, je ne l'ai pas encore vue. C'est pas très grave. Je vous la mettrai en incrustation du coup demain. Voilà. C'est mon Lilypoint chat. Voilà, celui-ci. Céline et moi, on se fait un duo avec Lilypoint sur le thème du chat. Donc ça, c'est mon modèle à moi. Voilà. Et là, je vous mets le modèle de Céline. Et voilà où j'en suis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas brodé beaucoup, mais j'ai fait le N ici et j'ai commencé le haut. Pourquoi mon haut n'est pas fini? Parce que j'étais tombée en panne de fil, tout simplement. Ça va, j'en ai retrouvé un dans mon stock, bien sûr. Mais sur le coup, j'en avais plus.
Et donc, j'ai pas pu finir le haut, donc il me reste le petit bout là, ici, et puis à faire un petit ovale ici au milieu pour marquer le haut. Voilà. Mais ça se termine, hein, ça se termine. Donc, je vous montre. J'ai fait le R, vous voyez le O ici, j'ai fait le N, donc il me reste un R, O, N à faire aussi. Les quatre petites patounes, le mot MA, MA, et finir, là vous ne le voyez pas puisque avec le tambour, mais le chat est arrivé à peu près ici, donc il me reste ça à faire. Voilà, et celle-là, elle sera terminée. Je suis contente, je l'aime vraiment beaucoup et je continue à dire que mon choix de toile est très bien. J'aime vraiment le choix de toile que j'ai fait. Donc ça c'est, est-ce que je l'ai marqué là? Oui, c'est une étamine 12 points 6 fils Murano Zagat carré gris. Voilà. Excusez-moi. Sur cette toile-là, on peut aussi faire de la broderie suisse. Bon, j'en ai jamais fait, hein, donc je ne pourrais pas trop vous expliquer, mais je sais qu'on peut faire de la broderie suisse dessus. Voilà. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, mon lily.chat, j'ai fait plus ou moins 250 croix. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a de la croix de fait quand même. Ah non, hein? Dis, prends Dodo, va fauteuil maman. Pacha, va fauteuil maman. Ouais, fais ce que tu veux alors. Alors, ça, c'est fait. Lily.chat. Donc normalement je vous aurais incrusté la photo de Céline, hein. Je pense que je l'aurai ce soir et donc je pourrais vous le mettre demain. Ensuite, je vais stabiloter celle-là, pourtant je l'ai faite. Voilà. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je vous montre? Oui, mon duo avec Letty encore. Et là, c'est la broderie, le nouveau, tout nouveau modèle de chez All Forest. Est-ce que j'ai la photo ici? Non, je n'ai pas là. Il faut que je me fais un. Bon alors. À bloquer? Oui, à bloquer. Attendez, t'as dit. Si, je l'ai, je savais bien. Ah. Alors, hop. C'est ce modèle ici, le Black Rose, modèle All Forest monochrome. C'est le tout nouveau, c'est celle qui est sortie ce mois-ci, c'est le modèle qui est sorti ce mois-ci. Et il est juste magnifique. Ah, quand je l'ai vu, je dis, je m'en fous, je craque. C'est vraiment trop, trop beau. Et on est vraiment plusieurs à avoir craqué dessus. On est plus. Moi, je le fais avec Letty, mais on est plusieurs à le faire en même temps sur mon groupe de broderie. Et non, mais vraiment, j'adore. Il est magnifique ce modèle. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et bon, il n'est pas. Bon, ce qui va être un petit peu. Comment je cherche le mot? Rond. Je n'arrive plus à le dire. Ça va être toujours pareil. Quand je vais être au rose, au niveau des roses, bon, là, c'est vrai que ça va être. Un peu plus. Oh, j'arrive pas à trouver le mot, hein. Pas embêtant, mais ni ennuyant,
Mais voilà, on va broder tout le temps la même chose. Vous voyez par exemple ici, là, vous voyez, en haut aussi, il y a pas mal de roses. Mais bon, ça va aller, ça va le faire. Alors là, bah alors pourquoi j'ai des miettes sur ma... Puis elle n'est pas droite, ma toile n'est pas droite. Alors ça fait bizarre parce qu'on dirait que c'est pas droit, mais c'est droit, hein. C'est la toile qui est... Il faut que je la remette. Voilà où j'en suis. Alors quand on est dessus, on a du mal à arrêter carrément. Là j'ai fait 405 croix. Alors à la base on voulait en faire 250, hein. Mais bon, on a du mal à s'arrêter. Donc voilà, j'en ai fait 405. Je le brode avec le fil Attali Onyx. J'aime vraiment beaucoup. J'avais un doute quand je l'ai reçu, mais non, là j'aime vraiment beaucoup ce fil. Alors voilà, vous voyez, il est vraiment très joli. Et le Black Rose, donc c'est une toile de lin Newcastle Zagat Vintage Dune en 16 fils. C'est une nouvelle toile qui est arrivée sur la boutique de Mère en Fille. Bon, elle existe peut-être dans d'autres boutiques, hein, mais c'était une nouveauté de chez Mère en Fille. J'aime beaucoup cette toile aussi. Je vous dis, j'apprécie beaucoup le lin maintenant. Bon, j'en ai fait il y a des années, hein, mais j'aimais beaucoup moins il y a des années. Et là, maintenant, j'apprécie vraiment. Donc, c'est vraiment top. Et je vous dis, ouais, si je m'écouterais, ben, je la broderais pendant plusieurs heures sans m'arrêter, cette broderie. Vraiment, tellement elle est jolie. Donc 405 croix, je suis arrivée à 805 en tout et je suis à 2,21%. Je vais regarder si j'ai la photo de Letty. Je sais pas si elle me l'a mis. Tout, 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 tout. Non, attendez. Je lui demande en direct. Je vois qu'elle est en ligne. Voilà. Coucou Letty, je te parle. bah, si elle me l'envoie, je vous la montre juste après. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte que ça avance, ça avance, ça avance. Donc le fil, le voici. C'est celui-là. Il est vraiment très, très bon. Hop! Alors, la suivante. J'ai pas été contente de moi sur la suivante. Allez, je bois un coup, j'ai soif. Oui, j'ai pas été contente de moi sur la suivante. Je n'ai fait qu'une centaine de croix. Je vous explique pourquoi. Alors, c'est le Languedoc Sampler, voilà, le Two Mains Maurice. Donc là, on est plusieurs à le faire, hein. Il y a Geneviève, il y a Sonia, il y a bah, Letty, je crois qu'elle, si je ne me trompe pas, qui le fait encore? Amélie, peut-être, je sais plus.
on est plusieurs à le faire. Et il y a, je sais qu'il y a d'autres personnes sur des youtubeuses qui le font également. Alors, voilà où j'en suis. Bon, là, je vous avais expliqué, il y avait une erreur d'un point et ça avait un tout petit peu décalé, mais ça ne se voit pas, c'est bon. Je suis en train de se faire ce cheval ailé ici, voilà. Donc là, la tête n'est pas finie parce que la fois d'avant, il fallait que je démonte ça parce qu'il y a une petite erreur. Je ne l'ai pas démonté encore. Et donc, j'ai dit, bon, je vais faire le bas. Et j'ai beau compter, recompter, re-recompter, je m'arrache les cheveux. J'ai un endroit, alors, c'est sur cette... Là ou là, je ne sais plus, il faudrait que... Si... comment ? Ah ! Où j'ai une croix, pareil. J'ai une croix en plus. Mais pas moyen de la trouver. Mais je sais qu'il y a une croix en plus. Donc, j'étais en train de me prendre la tête. J'ai dit, on se calme, on pose l'aiguille, on le ressortira dans la semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une croix en plus sur ce foutu cheval. Mais c'est ici, hein, c'est dans le bas, hein, donc c'est pas du tout dans là, mais c'est ici dans le bas quelque part. Je sais pas, bon, si je la trouve pas, je vais bidouiller comme d'habitude et puis ça ira très très bien. Celui-là, j'ai pas marqué ma toile encore. Non. Ah ben, elle m'a envoyé la photo. Je vais vous la montrer. Merci. On va dire merci, hein, on est poli, hein. du coup, j'ai des bêtises, ça y est. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore mis dans le cahier. Vous voyez, j'ai pas encore mis toutes mes broderies, hein, dans le cahier. Non. Je ne l'ai pas encore mis dans ce cahier-là. Il faut que je le... Où je le fais. Bon, c'est pas très grave. Je vais. C'est une toile de lin également. Pareil, 16 fils, mais je ne sais plus vous dire le nom de cette toile-là. Mais bon, c'est du lin. Donc voilà, du coup, je l'ai posé. J'ai dit, on le ressortira la semaine prochaine à tête reposée, comme on dit par chez moi. Et puis, on reprendra. Voilà. Parce que sinon, je vais me prendre le chou et je vais faire encore plus d'erreurs et c'est pas la peine. Donc, voilà. Bon, déjà là, il y avait une petite erreur, mais ça se voit pas. Donc, si je la trouve pas, hein, la croix, bah, ça posera pas de problème. Je vous dis, je vais bidouiller un tout petit peu et puis ça passera à l'as. Donc, du coup, j'ai fait qu'une centaine de croix dessus cette semaine. Pas beaucoup, mais voilà. Là, on n'a pas réellement d'objectif, hein, pour le faire. Voilà. Ouais, j'avais marqué Sonia, Geneviève. Mais je crois qu'il est-il fait, mais je ne sais pas vous dire. Je brode avec ce fil-là. Alors, ce n'est pas un variant. À chaque fois, je le dis, hein, ça peut être embêtant que je le dis à chaque fois, mais c'est surtout pour les nouveaux et nouvelles. Ce n'est pas un variation, c'est un fil multicolore, donc DMC, et c'est la couleur nuit canadienne. Voilà, il est tip-top. J'adore ce fil, il est magnifique. Magnifique, comme dirait, hein, une certaine que je n'aime pas. Pas sous le pas que j'aime pas, mais elle fait trop de manières. J'aime bien les gens naturels, moi.
J'aime pas les gens qui font trop de manières. Voilà. Je sais pas vous, hein, mais moi, c'est comme ça. Alors, quand j'ai soif, je parle trop. Ah, ça fait du bien. Ensuite. Je rigole parce que j'ai fait rigoler certaines d'entre vous la semaine dernière. Quand j'ai dit, ah ben mince, je ne m'en rappelais plus de celle-là, de broderie. Pourtant, elle n'est pas vieille. Hein. Elle n'est pas vieille du tout. Alors, je vais sortir le livret. Parce que là, le nom de la créatrice, pareil, je ne me rappelle jamais. C'est le Autumn Quaker. Voilà. Donc, de Karen Kluba. Il est trop beau aussi. Trop beau. Pareil, il y a beaucoup de succès à ce modèle. Et du coup, les filles le font aussi, le gang des Québécoises. Je crois qu'il y a Sonia, il y a Geneviève, je sais. Elles sont à plusieurs à le faire aussi. Et... Non, mais j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Et aujourd'hui, donc du coup, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai fait ce petit losange. J'ai adoré le faire et j'adore le résultat. Il est trop, trop beau. Alors, voilà. Regardez. Il est vraiment trop beau. Puis j'ai commencé le petit bitonio qui vient au-dessus. Mais, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Donc là, chaque ligne, c'est une couleur différente. Voilà. Chaque ligne, c'est une couleur différente. Donc, c'est brodé avec les fils Valdani. Voilà. Les fils Valdani, ce sont ceux-là. Voilà. Donc ça, c'est le lot qui va avec la broderie. Comment j'allais dire? Ah oui, ça me fait penser. Mince, j'ai perdu le lien. Faudra que je redemande aux filles. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. De toute façon, vous avez certainement déjà remarqué. J'ai vu une autre broderie. Alors, c'est sur de Méranfi aussi. Et c'est la même créatrice. J'ai beaucoup aimé. Bon, pour l'instant, je ne peux pas me l'acheter. Voilà, c'est réglé. Mais... Alors... Et c'est fait également avec les fils Valdani. Je sais, mais c'est vraiment une broderie que j'aimais beaucoup. Alors, hop, broderie, diagramme, Kluba, c'est mignon, Kluba. Bon, bah alors. Excusez-moi, je cherche. Rosewood. Ah, moi, c'est dans les Rosewood. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est cette rubrique-là. Et c'est l'hymen. Non, c'est pas ça. Ah, ben voilà. C'est celui-là. Alors, est-ce que je sais vous le mettre en grand? Oui. C'est celui-là.
Je l'aime beaucoup, beaucoup. Trop beaucoup. Trop, trop beaucoup. Il est trop beau. Alors, il se fait également avec les fils Valdani. Là, on les voit, mais je vais vous montrer. Alors, la toile en elle-même, elle est à 19... enfin, le livret est à 19 euros. Et les fils, les voici. Hop. Regardez ces couleurs, comment elles sont magnifiques. Elles sont trop, trop belles. Voilà. Le prix est très, très beau aussi. Mais bon, il est en rupture chez de mère en fille. C'est souvent en rupture chez elle. C'est ça qui est embêtant. Mais ça y est, on peut le trouver sur 1, 2, 3 Stitch. Mais j'ai jamais commandé chez eux. J'ai encore jamais commandé. Mais là, le coffret Valdani pour faire cette broderie. Donc, il y a 12 bobines en tout. 12 pelotes de fil. C'est des pelotes de 27 mètres. Hein. Mais qui a 3 brins uniquement. C'est au prix de 52,90 €. Alors, vous voyez, mais ils sont trop... Attendez, je vais l'agrandir. Voilà. Mais ils sont trop beaux, ces fils. Pour faire la broderie, là. Ah, ah oui. Et donc, 50... Bon, on va dire 53. Hein. 53 plus 20, ça fait 73. Et après, il y a la toile, bien sûr. La toile... Alors, il faut une toile de combien? Sur 19,6, mais est-ce qu'elle compte les marges? Pensez à ajouter, ah non, pensez à ajouter une marge, donc 40, ouais, ça fait 40 sur 25, et c'est si je fais sur du lin par exemple, 40 sur 25. Sur 25, j'ai assez là. Ah bien sûr, ah oui, la petite taille n'est plus disponible, donc il n'y a plus que la grande taille à 13 €, donc c'est du 50 sur 70 et c'est 13,75 € et c'est le lin à broder Newcastle 16 le lin à broder Newcastle 16 fils vintage country Mocha Zegart. Voilà, c'est celle-ci. Mais elle propose plusieurs plusieurs toiles. Hein. Vous pouvez choisir dans donc celle-là. On peut avoir de l'Aïda, bien sûr. Donc l'Aïda 5-5, du 7, du 8, du 6-4. Bon, l'Aïda, moi, c'est non. L'étamine du 10 fil ou du 12 fil. Le 10 fil, c'est non pour moi. Et le lin, de toute façon, mon étamine, c'est du 12 fils, 12,6. Et le lin, pour moi, c'est du 16 fils. Voilà. Donc, ce serait 13,75 € encore en plus. Donc, ça fait 74,84 €. Ouais. Là, à ce prix-là, j'ai les frais de port gratuits. Mais il faut que je regarde sur 1, 2, 3 Stitch. Puis que quand je pourrais me l'offrir, parce que là pour l'instant je peux pas du tout du tout ce mois-ci, de toute façon ça va être horrible. C'est pour ça que je fais rien à mon anniversaire d'ailleurs. C'est mardi et on fait rien, je ferai peut-être ici à la maison un petit gâteau aux pommes pour nous deux et puis voilà, c'est bon. Donc voilà, j'aimerais bien donc ce modèle que je trouve trop beau. Vraiment trop trop beau. Mais bon, quand je pourrais. Donc voilà le Autumn Quaker que j'ai avancé cette semaine. Voilà.
Alors, j'aurais pu finir le motif hein, ici, mais j'avais envie de faire ce carré là, je le trouvais pas mal. Et voilà. De toute façon, c'est pareil. Hein. Là, il faudra que j'avance, là, il faut que j'avance, il faut que j'avance partout. Donc, voilà. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois toujours des choses, t'entends des choses, tu. Oh hein? Alors, hop, on va remettre tout ça là. Hop. Maintenant, on va passer au. Ah non, 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 attendez. Ben oui, Letty m'a envoyé la photo de son. Sans Black Rock, Black Rose, pardon, Black Rose. Alors, elle, pareil, elle a, pardon, comme à son habitude, elle a commencé en haut à gauche, et donc elle est en plein dans les roses. Et elle, elle fait deux couleurs, voilà. Elles sont très, très belles, ces roses. Et vous voyez, il va y avoir du boulot hein, dans les roses. Voilà. Hop. Allez, on met ça ici. Ça, là. Pas casser le cadre. Hein. Ça va? Je te gêne pas trop? Non? Bah écoutez, on va commencer par la japonaise. Hein. Bon, bah alors j'ai un truc qui coince là. La japonaise. J'ai bien bossé. J'ai bien bossé sur ma japonaise. J'ai fait 850 croix. Alors, voilà où j'en suis. J'ai travaillé de ce côté-là. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai terminé ici. Là, elles sont, pour ainsi dire, finies. J'ai travaillé la grosse fleur qui est là. Il y a une très grosse fleur là. Donc, j'ai travaillé dedans. Voilà. Non, elle est tip-top. Et en plus, hippie pour un, j'ai dépassé les 10%. Je suis contente. Il ne me faut pas grand-chose pour être contente, oui, je sais. Mais voilà. Non, mais vraiment, top. Mais bon, j'ai hâte de finir ce petit coin-là, là, ici, pour pouvoir après repartir dans ses cheveux. Et arriver dans le visage, j'ai hâte. Voilà. Non, mais c'est bien. J'ai bien avancé dessus. Elle rend très très bien. Bon, c'est vrai qu'on voit pas encore vraiment beaucoup, mais là, quand les premières fleurs vont être terminées, ça va vraiment être chouette. Toile étamine, 12 points, 6 fils, easy count. Voilà, donc easy count, ça veut dire qu'elle est quadrillée. Et le quadrillage part quand vous lavez la toile. Mais moi, là, je ne le ferai pas puisque c'est une couverture totale. Donc, je ne vais pas m'embêter à laver la toile. Voilà. J'aime pas laver mes toiles. Sauf quand c'est des estampés. Mais bon, vous avez vu, les estampés, j'en fais plus en ce moment. Je continuerai celle que j'ai commencé, hein, je vous l'ai dit, mais pour l'instant, ça ne me dit rien. Donc, je suis contente pour ma japonaise à l'avance. Bon, il y a encore du boulot, hein, mais... alors, j'ai... Mince.
Ah, mon nez. Il est parti où mon nez? Ah, il est là. Je croyais que mon aimant était parti. Ah. Voilà. Donc, j'ai fait 850 croix. Je suis... Voilà, ça y est, je finis de me bagarrer avec. J'ai fait en tout 7813 croix. Et donc, je suis arrivée à 10,34%. Ça, c'est... contente. J'en bois un coup. Ce qu'il y a, moi, c'est que je bois pas assez. Quand j'étais... bon, ça y est, je travaille plus. Mais quand j'étais auxiliaire de vie, à mes petits vieux, j'étais toujours là. Faut boire. Tenez, votre verre d'eau. N'oubliez pas de boire. Quand je partais, je versais un verre d'eau. Surtout, vous buvez. Parce que je sais que... Et maintenant, c'est moi. Des fois, j'arrive à 5h du soir. Et je vois que je ne me suis pas mis de verre. Parce que nous, on se met un verre sur le buffet de cuisine. Pour la journée. Et puis comme ça, on boit là si on a soif. Puis des fois, à 5h du soir, je dis, mince, j'ai pas sorti mon verre. Ben, j'ai rien bu de la journée. À part mon café à midi. Mais sinon, des fois, je suis une journée complète sans boire. Je m'en aperçois pas. Alors, ce que je disais à mes petits vieux avant, ben voilà, c'est mon tour maintenant. Bon. Ensuite. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Ça, je vais vous le montrer. Ça, vous l'avez vu, le Autumn Quaker, le Fox aussi. Voilà. La japonaise, vous venez de la voir. Ah, mais il en reste deux. Oui, je vous ai dit, c'était une petite semaine. Alors, je m'en veux. Façon de parler. Je regrette, c'est de ne pas avoir travaillé sur trois broderies. J'ai pas travaillé sur le colibri, poussière d'étoile, l'aquarium de Lucas et le hibou. Et ça m'embête. Du coup, je vais voir avec le tirage au sort tout à l'heure. Je pense que la broderie du lundi, ça va être un style de broderie comme ça. Mais on verra ce que le tirage au sort me donnera. Parce que bon, il faut que j'avance aussi sur cela. Sur ces broderies-là, j'ai l'aquarium de Lucas. J'ai mes hérons bleus de chez la Natte. Le tigre de Lucas. Alors lui, il a ça de fée. Vous voyez, ça. Je ne me suis pas mis dessus. Je me suis mis dessus deux fois, je crois. Et depuis, je me suis jamais remis sur le tigre. Là, je m'en veux. Puis, qu'est-ce que j'ai encore comme broderie dans le même style? J'en ai encore une. Je ne sais plus. Je ne dois pas la sortir souvent, celle-là. Je ne sais plus. Alors, ici. C'est mon duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Donc, on fait un sampler. C'est combien? 121, je crois. Celui-là, je l'ai marqué. Celui-là, je sais qu'il est dans mon livre. Alors. Voilà, c'est 151. C'est le sampler 151. Donc, de la boutique 2x2 Stitch Art sur Etsy. Donc, ça, je le fais avec Sonia. Et j'ai eu un tout
petit souci, mais je n'ai pas eu le temps de le réparer, mais je vais le réparer là cette semaine. Donc, je n'ai pas déduit les points. Voilà, je vous explique. Voilà où j'en suis. Donc, on est en train de faire cette case-là. Voilà. Et vous allez vous dire, mais il n'y a plus la ligne jaune là-haut. Et non, j'ai dû démonter 65 ou 66 points. Donc là, la ligne jaune en haut. Je vais la refaire. J'ai pas eu le temps là du tout. Donc je vais la refaire cette semaine en faisant mon étape de la semaine. J'arrive en haut. Je brode là. Je brode. Et j'arrive en haut. Je suis à... Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, là, c'est les verticales, là. J'avais fait 65 croix, alors qu'il en fallait 66. Une croix. Alors, pour une croix, j'ai démonté toute la ligne qui est là. C'est rien, je vais la refaire. Mais c'est pas grave. Donc là, nous, on est à 300 croix par semaine. Ce qui fait que je suis à 6946 croix, soit 17,79%. Alors, j'espère que les chiffres sont bons. Parce que, bah, comme le jour Sonia l'avait remarqué, elle est sur son application à elle. Il y a des fois que quand on démonte, ben ça foire un peu le total. Donc j'espère que le total est bon. Il faudra que je demande à Sonia si tu passes par là. Cette semaine, c'est toi qui vas me donner ton total. pour voir si on est toutes les deux à 6946 croix. 17,79%. Voilà. Là, moi, la ligne en haut, elle est comptée. Hein. C'est comme si je l'avais déjà faite, normalement. Donc, je pense que je suis bonne. Ou alors, la ligne du haut, c'est décompté. J'en sais rien. Donc, Sonia, tu me diras quoi, s'il te plaît? Allez, je vous montre la version de Sonia. Allez, je vous montre aussi sur la tablette. Sonia, elle est là. Alors, je crois que oui, voilà, c'est celle-là. Voilà. Donc, voilà où Sonia en est. Alors, je vous ai oublié de vous dire, mais vous le savez, mais c'est surtout pour les nouveaux. On brode toutes les deux sur une toile étamine 12.6 fils. Sonia, c'est couleur rubis. Moi, c'est couleur bleu canard. Et, pardon, on brode toutes les deux avec du fil étoile. Sonia utilise un fil étoile gris clair. Et moi, j'utilise trois fils. Donc, les voici. Hop. Voilà. Un turquoise, le 995. Alors, j'ai mis là. Le bleu marine, 823. Hop, y a là, toi, te sauve pas. Ne fais pas ton timide. Et le jaune, le 725. Voilà. Ben, la semaine prochaine, vous aurez 300 croix de plus. Voilà. Plus ma ligne jaune. Elle sera faite. Alors, attendez. Je remets ça dans mon petit sac. Ça me prend une place, toutes ces broderies. Voilà. Et la dernière, attends, je
poser ça là. La dernière. Alors, elle est toute légère. Alors, elle, c'est un grand cadre carré. Donc, il snap. Voilà. Alors, dans quel sens? C'est dans ce sens-là. C'est mon achat ED que je fais en trio avec Laurent. Non. Je pense à Laurent de les Croix Mousquetaires. Non, c'est avec Ludovic. Pardonne-moi, Ludovic. Je fais donc avec Ludovic et Amélie de la chaîne des Zing et Diamants. Alors, on n'a pas commencé partout pareil. Je vais vous montrer. Moi, j'ai commencé au milieu. Amélie a commencé au milieu aussi, mais elle n'est pas comme moi. Ludovic, il a commencé en bas à droite, si je ne me trompe pas. Tu viendras me corriger si je me suis trompée, Ludo. Voilà, regardez-moi ça, le bec, comment il est beau, le hibou du savoir. Je vais vous montrer le modèle. Mais celui-là, c'est pareil. Oh, si je m'écoutais, je serais toujours en train de le broder. Il est trop sympa à broder. Ah ouais, on est dessus, mais je n'ai pas envie de l'arrêter. C'est pareil, si je m'écoutais, je ferais... Là, on fait 300 croix, mais... Ah oui. Alors, je vous montre d'abord la photo du modèle. Il est là. Donc, c'est un modèle de Malcolm Watson. Hein, c'est un achat ED. C'est le... Ah, mais pourquoi tu vas te... Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non. Il voulait se mettre dans la poubelle. Alors, le Knowledge is Power. Moi, j'ai appelé le hibou du savoir. C'est beaucoup plus facile à retenir. Alors, hop. Voilà. Le voici. Regardez-moi sa belle boubouille. Comment il est beau. Il est chouette, hein? Pour un hibou, c'est bien d'être chouette. Alors, ici, je vais vous montrer. Alors, notre conversation, elle est où? Qu'est-ce qu'on papote? Mais qu'est-ce qu'on papote sur ce truc? Ici. Ça, c'est l'avancée de... d'Amélie. Oh, décidément, les prénoms, ça veut pas hein, aujourd'hui. Voilà. Donc, elle a commencé au milieu aussi, mais pas comme moi. Je sais pas où elle est exactement, là. Je sais pas. Quand il y aura, ce sera un peu plus fourni, on verra mieux. Et Ludovic. Alors, lui, il a commencé donc par un coin. Du coup, il est dans le noir. Voilà. Il est dans le noir. Mais vraiment, super sympa à faire. Je regrette vraiment pas. Non, je regrette vraiment pas d'avoir choisi ce modèle. Ah ben, j'ai la photo de... Je ne vous ai pas montré la japonaise tout à l'heure. Mon autre achat ED, c'est celui-là que je fais. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, moi, je suis dans ce coin-là. Donc là, j'ai fait ici, vous voyez. Hop, 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 hop. Et je suis en train de travailler la grosse fleur qui est là. Voilà. Voilà,
C'est ça que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Mais vous avez vu le visage. Là, je vous ai tout montré, je pense. Oui. Le sale que j'organise en partenariat avec Poussière d'étoiles, bah, je vous l'avais montré la semaine dernière à mon étape. Donc, cette semaine, je n'ai pas brodé dessus. Je vais broder dessus ici à partir de ce dimanche. Donc, la semaine prochaine, vous verrez où j'en suis, très certainement. Alors, niveau broderie, bah écoutez, voilà, c'est fait. Je vous ai tout montré. Je vais voir mon petit fond. En tout, alors, le challenge. Le challenge, donc je vous ai dit, je prévois de faire 3000 croix minimum par semaine. Mais comme vous avez pu voir, cette semaine, ça a été une petite semaine. Je n'ai pas brodé beaucoup. Il y en a qui doivent se dire tu rigoles. non, j'ai pas l'impression d'avoir brodé beaucoup. Voilà, bon, c'est ce que moi je pense. Hein. Et quand je fais mon total, c'est vrai que petit total. Alors, j'ai brodé en tout 3605 croix. C'est vraiment pas énorme. En sachant que la semaine dernière, j'en avais fait 4195. Ouais, donc j'ai vraiment pas fait beaucoup. Mais bon. On fera mieux la semaine prochaine. On fera mieux la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va... Bah écoutez, on va faire le tirage au sort maintenant. Voilà, on va faire le tirage au sort pour connaître les broderies de la semaine prochaine. Alors, en sachant qu'il y a mes obligatoires. Il y a mon sampler 124 que je fais avec Sonia. Il y a mon Star Dragon que je fais avec Letty. Il y a mon Lily.chat que je fais avec Céline. Mon achat EDI Bout du Savoir que je fais avec Ludovic et Amélie. Et mon Black Rose de All Forest que je fais avec Letty. Et les filles de mon groupe. En sachant que cette semaine, il y a une broderie qui rentre. Ce sera le sale anniversaire que l'on commence ben, le jour de mon anniversaire, donc c'est-à-dire mardi, le 12 novembre. On va commencer le sale 251. Excusez-moi. Hop, le voici. On commence celui-là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo cette semaine, hier, avant-hier, je crois. Alors, je vous dis ça tout de suite. J'ai fait ça quand? Bah, hier, oui, c'est hier. Hier ou avant-hier. Il est marqué un jour, donc c'est hier ou avant-hier. Donc je vous ai fait la vidéo tirage au sort de la première étape et préparation de ma toile sampler 251 sale anniversaire. Donc dans cette vidéo je vous montre que je prépare ma toile noire, et en même temps je fais le tirage au sort pour que vous sachiez quelle étape commencer à broder ce mardi. Et donc l'étape qui a été choisie,
par la roue, c'est l'étape 16. Voilà, je vous la remonte pour ceux qui n'auront pas vu la vidéo. C'est donc cette case ici, et il faudra bien sûr faire le milieu là. Pour faire votre repérage, il faudra broder le milieu également, le petit bitonio là au milieu. Puisqu'on commence par le milieu de la toile, et donc c'est ici la case 16. Voilà. Sur mon groupe, je le remarquerai également. Donc, il n'y a pas de souci. Normalement, vous ne devriez pas rater l'étape. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Je serai là pour vous répondre. Hop. Attendez, j'enlève des choses là parce que je cherche mes photos et je ne vous retrouve pas après. Voilà. Hop. Allez, voilà. Poubelle. Bon, on met plein de photos dans nos tablettes, nos téléphones, et après on s'y retrouve plus. Voilà, on y voit plus clair. Donc tout ça pour dire que oui, mardi, donc ce sera obligatoirement la toile du sampler 251. Il y aura également, bon, elle est sûrement dans le tirage au sort, je ne sais plus, ma toile Lily Point infirmière, ben, je vais avancer dessus, ça, je vous dis, il faut qu'elle soit finie avant Noël, donc là, je l'avance automatiquement. Et maintenant, on va tirer au sort, ben, ce qui reste. Hein. Alors, 1, 2, alors j'ai marqué le Languedoc Sampler dans les obligatoires. C'est vrai que on s'est pas mis de vraiment d'objectif. Les filles me corrigeront si je me trompe. Donc je vais le faire quand elle est tirée au sort, je pense, ou on verra bien. On verra comment je vais goupiller. Allez, on va attendre que ça s'ouvre. Alors, on va tirer au sort le HAED du mercredi. Alors, par contre, si le hibou du savoir, il faudrait que je la retire, celle-là. Parce qu'elle est dans l'autre roue. Alors, attendez. Puisque là, on se met un objectif. Donc voilà, donc il y a trois, il reste trois HAED pour le mercredi, c'est très bien, ça me suffit, et on va voir lequel je vais faire. Ah, la steampunk, chouette, 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 la steampunk. Alors, steampunk. Voilà, ça c'est fait. Allez, maintenant on va tirer au sort les broderies. Voilà, je pense que je l'ai mis à jour. Ouais, normalement elle est à jour. J'ai retiré les broderies qui étaient finies. Les broderies abandonnées, je les ai enlevées aussi normalement. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti, mon. Bah alors, bah, pourquoi il veut pas aller? Ah, oh, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, j'ai eu peur. Mes pans royaux, c'est bien. Alors, mes pans. Donc, c'est un modèle de chez All Forest, ça. Ah, l'orchidée.
L'orchidée de chez Lanat. Ah ben l'aquarium. Il arrête pas de sortir l'aquarium, mais à chaque fois, j'ai pas le temps de le broder. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 9. Là, j'en ai 9, 10. On va en tirer encore 2. Je pense que ça devrait aller. De toute façon, je préfère en tirer plus. Ah ben, celui-là, non, il est déjà mis d'office. Ah ben non, je ne l'avais pas mis. Si, si, il est mis d'office, le hibou du savoir. Donc, on va en tirer un autre. Ah ben, elle est déjà tirée aussi. On va y arriver. On va y arriver. Ben, le lit point d'infirmière, il est mis d'office aussi. Il faut que je les enlève, ceux-là. Ah, ben, mes hérons bleus de chez Lanart. Vous voyez, il fallait que j'en parle. Voilà. Et j'en retire un. Ce sera... en réserve celui-là. Autumn Quaker. Voilà. Voilà. Alors, j'ai retiré de la roue provisoirement, bien sûr, ce que je viens de tirer au sort. Comme ça, la semaine prochaine, je ne vais pas retirer au sort les mêmes broderies. Parce que sinon, ça, je risque d'avoir toujours les mêmes qui sortent et certaines broderies ne seront pas faites. Alors, on a en obligatoire le sampler 124 pour Axonia, mon Star Dragon Doll Forest, mon Lily Point Chat, le hibou du savoir, le HAED, et mon Black Rose de All Forest. Je dois broder aussi entre deux mon Lily Point infirmière. Hein, ça, c'est juste parce qu'il faut qu'il soit fini avant Noël. Et on attaque donc le sampler 251 mardi. En sachant que moi, le sampler 251, c'est la case, on a un mois pour le faire. Donc, je vais le commencer, bien sûr, mais je veux dire, je n'ai pas besoin de courir une case par mois. Il y a 24 cases, donc on est parti pour 2 ans. Hein. Voilà, celle qui s'en était pas rendue compte, ben, on est parti pour 2 ans. On verra après, par la suite, comment ça va, mais là, pour l'instant, c'est une case par mois. Ensuite, donc, je viens de tirer au sort les pans royaux de chez All Forest, mon orchidée de chez Lanart, mon aquarium de Lucas, mes hérons bleus de Lanart et mon Autumn Quaker. Mercredi, le HAED du mercredi, ce sera la Steampunk. Et maintenant, il faut que je vois qu'est-ce que je vais faire comme broderie du lundi. Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, l'orchidée de chez Lanart, c'est vrai que c'est une petite broderie. Alors, où j'avance. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas laquelle mettre. Ou alors,
Je fais mon lili-point, infirmière. Je sais pas. Là, franchement, je ne sais pas lequel faire pour la broderie du lundi. Bon, l'aquarium est un. Au moins que je fais l'aquarium pour bien l'avancer. Ouais, allez, c'est parti. Je ferai l'aquarium de Lucas le lundi. Voilà. Parce que depuis le temps qu'il est démarré, il n'avance pas beaucoup celui-là. Donc lundi, hop, aquarium. Voilà. C'est fait. Ben, y a du taf, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'habitude. Hein. Et puis, bien sûr, j'ai toujours mon challenge de mes 3000 croix par semaine. Maintenant, je vais faire une pause de 2 minutes. Oh, il est déjà 11h moins le quart. La semaine dernière, j'avais fini à 10h30. je fais une pause de 5 minutes juste pour ranger les broderies qui sont sur la table. Et je vais sortir mes tricots pour vous les montrer. Voilà. Mais avant, non, on a autre chose à faire. je fais la petite pause avant, je range mes broderies et je vous parle de ce que j'ai regardé sur YouTube, comme je vous fais toutes les semaines. À tout de suite. Me revoici pour la avant-dernière partie de la vidéo. Alors, on va parler YouTube. qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Alors, je vais vous dire ça. Hop. Ici, ça commence ici. Alors, j'ai regardé la vidéo de Mimic et ses loisirs. Voilà, c'était une toute petite vidéo, mais c'était un événement qu'elle organise sur son groupe Facebook, si je ne me trompe pas. Voilà, le thème c'est sous la pluie, et donc on peut soit faire en broderie, soit en diamond painting, soit en coloriage. Voilà, donc j'avais regardé sa petite vidéo. Ensuite. J'ai regardé la vidéo de Lydie Bultez. Alors, c'est le nom de sa chaîne. Lydie, mets un nom de chaîne. bon, je rigole. Hein. On est voisine de village. Voilà, on est voisine de village. Donc, on se connaît. On ne se voit que 2-3 fois par an, mais parce que bon, des fois elle m'achète des choses à moi que je vends, ou voilà, mais sinon. Donc elle a une chaîne où elle fait beaucoup de couture. Sa chaîne n'est pas très très vieille, hein. Je ne sais plus depuis combien de temps sa chaîne est ouverte, mais c'est pas très très vieux. Donc elle y fait de la couture, elle se fait plein de vêtements pour elle. Et elle fait aussi de la broderie, et cette fois-ci c'était son floustube, c'était le floustube numéro 5, donc où elle montrait toutes les broderies qu'elle avait fait, celles qui étaient en cours et celles qu'elle va faire. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Les passions de Passy. J'ai regardé son floustube, Nora November. Alors, c'est en. Comment ça s'appelle? C'est toutes les broderies. Comment ça s'appelle? Nora. Ah, j'ai un trou. J'ai un gros trou. Enfin, c'est les Mirabilia, c'est les Filipina, les voilà. Donc, voilà de quoi elle parle. Elle nous montre tous ses projets pour ces modèles-là. Excuse-moi, hein, je suis complètement. Mais bon, je suis poisson rouge, hein, ça, on ne peut rien y faire. j'ai regardé la vidéo de Sabine, donc de la chaîne Sabrode, qui répondait au tag que moi j'avais fait.
Donc, je l'avais taguée. Donc, elle a répondu au tag tout en brodant. C'était tag des youtubeurs. Je réponds sur qui, quoi et comment. J'ai regardé la vidéo de Petite Croix et compagnie. Son floustube d'octobre, torticolis et broderie. La pauvre, oui, je crois qu'elle a des douleurs, qu'elle n'est pas au top en ce moment. Si je me trompe pas. Je vous dis. Par contre, elle fait de jolies broderies. J'aime beaucoup les modèles qu'elle a choisis, qu'elle fait. Et j'adore ton renard steampunk. Il est trop, trop beau. J'adore. J'ai regardé Patatras. Toujours aussi fofolle, mais c'est gentil quand je dis ça. Hein. C'est parce qu'elle est, elle éclate de bonne humeur et tout dans sa vidéo. J'aime vraiment beaucoup la regarder. Donc c'était un extra flostube. Elle montrait ses objectifs de fin d'année. Donc ben voilà, vous avez compris. Hein. Quelques broderies qu'elle a envie de faire et de finir pour la fin de l'année. Quelques petites broderies. Non mais toujours aussi sympa ces vidéos. J'ai regardé la vidéo de Jennifer du fil et des broderies qui papote sur ses broderies, sur ses encours, sur voilà, comme d'habitude, elle nous montre tout ce qu'elle a fait. Donc Jenny, bisous. j'ai regardé les bricoles à Lilou. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé une de ses vidéos. Et là, c'est un floustube très halloweenesque. C'est ce qui est marqué sur la vignette de sa vidéo. Donc, c'est son floustube numéro 10, septembre-octobre, et le tirage des petits. Pareil, elle a plein de projets d'encours qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Alors là, je me suis fait plusieurs vidéos sur une toute nouvelle boutique qui me fait bien envie. D'ailleurs, ils doivent m'envoyer. Cette boutique doit m'envoyer un code promo. Mais bon, là, comme c'est week-end et tout, ils doivent m'envoyer un code promo pour mes abonnés. Quand je l'aurai, je viendrai vous en parler. Mais j'ai. Waouh! Elle est. Alors, vous devez très certainement en entendre parler. C'est la toute nouvelle boutique Dream Stitch. Alors, si j'ai compris, c'est une boutique, c'est une personne qui travaillait chez Fancel chez Fancel qu'on dit, je ne sais plus comment on dit, et qui a monté sa boutique. Qui a monté sa propre boutique, mais il y a des pépites dedans. Ah ouais. Et j'avais vu alors cette marque-là, je la connaissais pas. Bon, c'est de l'estampé, mais c'est un estampé d'enfer. Ouais. Là, je vous l'ai dit, moi ce mois-ci, je peux rien acheter. Bon, décembre, on va voir. Je suis pas sûre. Mais dès que je peux, malgré que c'est de l'estampé, mais je sais que j'ai pas encore regardé toute la boutique, hein. J'ai pas encore fait le tour. Je sais qu'il y a aussi du point compté, mais j'ai pas encore regardé. Et si j'ai compris ce que les filles disent dans leurs vidéos,
il est en train de faire pour que la rubrique points comptés, elle soit plus étoffée également. Donc ça, c'est pas mal. J'ai vu aussi qu'il y avait des toiles, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai compris aussi que c'était moins cher que sur AliExpress. Donc ça, c'est bien. Sauf que j'ai vu donc cette marque que je ne connaissais pas du tout. La marque HS. J'en veux une. Je fais pas des, je veux, je n'aime plus l'estamper, mais j'en veux une. Ah ouais. Je veux essayer une toile comme ça. Dès que je peux. Et du coup, quand je pourrai, que je passerai une commande chez eux, je vous en reparlerai, bien sûr. Mais vous devez commencer à connaître, je pense. Du coup, je me suis fait un petit trio de vidéos sur ces deux. J'ai regardé la vidéo de Petite Croix Fantastique. Mon deuxième achat, Dream Stitch. J'aime bien ce qu'elle a marqué sur la vignette de sa vidéo. Comment se ruiner en un seul clic sur une pépite. Ah, mais c'est vrai que waouh, elle est vraiment tip top. Hein. Du coup, elle déballe et elle montre ce qu'elle a acheté dans cette boutique. Alors. Bon, pourquoi tu n'avances plus? Ah, voilà. Ensuite, j'ai regardé encore une vidéo des patients de Passy qui a commandé aussi sur cette boutique. Donc, elle, c'est le déballage de sa première commande. J'adore ce que tu as choisi. Ouais, c'est trop beau. Trop, trop beau. Et j'ai regardé la vidéo, pour terminer, de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, qui montre également un déballage de la boutique Dream Stitch, pas facile à dire par contre, hein. Et elle a un partenariat avec eux, donc elle nous montre deux toiles qu'elle a eues en partenariat. Et elle s'est achetée en même temps donc une toile HS. Et ça, la toile qu'elle a choisie, j'aime beaucoup. Parce que c'est un petit paysage au bord de l'eau, au bord de la mer. Et c'est vraiment bloc. Mais c'est vraiment tip top. Donc, dès que je pourrai, j'irai faire un tour plus approfondi sur cette boutique. Dites-moi, tiens, si vous avez déjà acheté chez eux ou pas. Là, je vous dis, moi, dès que j'ai le code promo, je vous le partagerai, bien sûr. Et comme ça, on pourra dépenser nos sous qu'on n'a pas. Donc voilà, c'est ce que j'ai regardé cette semaine. C'est déjà pas mal. Hein. Et moi, sur ma chaîne, cette semaine, allez, on est ici. Bon, dimanche, vous avez eu le journal créatif, bien sûr. Lundi, vous avez eu 3 unboxings. DP Club, New Craft Day et On Day Saving. Mardi, je pose les premières croix de ma broderie Black Rose. Ensuite, je vous ai mis la vidéo mon organisation pour mes fils à broder. Donc, je vous montrerai comment je m'organise dans tous mes fils. Elle a eu beaucoup de succès, hein, celle-là de vidéo.
1200 vues, ouais, c'est... J'ai un peu explosé le plafond avec celle-là. Et j'ai aussi un petit peu explosé le plafond avec la suivante, c'est-à-dire mes broderies oubliées et abandonnées. Vous avez beaucoup aimé celle-là de vidéo parce que vous m'avez mis énormément de commentaires. Du coup, je suis vraiment très très heureuse. Du coup, ben, je vois que c'est une vidéo qui vous a plu. Ouais, je suis à près de 1000 vues et une cinquantaine de commentaires. Donc, ouais, youpi! Merci, merci. Je suis contente. Hier, vous avez eu du coup le tirage au sort de la première case et préparation de la toile pour le sale sampler, le sale anniversaire, pardon, sampler 251. Et c'est là que je me dis qu'il n'y a pas, je sais pas si tout le monde l'a vu parce que bon, il n'y a eu que 5 commentaires. Et bon, il y a eu des vues hein, quand même, mais du coup, je ne sais pas si vous avez toutes vu ce tirage au sort. Et ensuite, je referai peut-être un tirage au sort et je le mettrai en short. Voilà, enfin, je vais pas refaire à nouveau. Je vais retravailler la vidéo pour que je la transforme en short. Voilà, pour que vous voyez le tirage au sort. Et la vidéo que vous avez eue aujourd'hui. Donc, c'est j'avance avec vous ma broderie Lilypoint, l'infirmière. Voilà. Donc, là, c'était une très longue vidéo, mais en musique et en broderie pour aujourd'hui. Voilà les vidéos que vous avez eues cette semaine. J'espère qu'elles vous ont plu, ces vidéos. Que n'hésitez pas à chaque fois à laisser des commentaires, à mettre des pouces. Voilà. Je vous ai déjà expliqué, les pouces, ça fait connaître la chaîne, ça la fait remonter dans le moteur de recherche de YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces, des vues, des commentaires, tout. Si j'aime bien. Voilà. On a fait le tour pour YouTube. J'ai prévu déjà de regarder des vidéos hein, pour la semaine prochaine, enfin, à partir de demain. C'est pareil, il y en a plein que je vais regarder. Qui j'avais vu? About Malouen, bien sûr. Donc, elle l'a mis aujourd'hui sa vidéo. Donc, je n'aurais pas pu la regarder, mais je vais la regarder très certainement demain. C'est son Floustube. Le 9, c'est Floustube. Elle met un Floustube tous les 9 du mois. Donc, voilà, et je le regarde à chaque fois. Puis, bon, il y a plein de... Ah, ben, j'ai pas vu tout à l'heure celle-là. Donc, c'est les passions créatives de Mamounette. Donc, elle présente ses grilles de points de croix. Donc, je vais regarder ça également. Voilà, il y a plein de vidéos, de toute façon, que je vais regarder comme d'habitude. Voilà. Allez, maintenant, on est à 1h50. Bah, c'est très bien. Moi qui avais peur de ne pas faire 2 heures de vidéo. J'ai avancé. Monique, me dispute pas. Je te jure, hein. Mais j'ai pas eu le temps de faire ma couverture. Promis, cette semaine, je brode, j'allais dire. Je fais au moins 5 jours. Enfin, 5 rangs. Donc, 5 doubles rangs, donc ça fait 10 rangs. C'est 5 jours météo pour avancer. Promis juré. Petit message à Monique. Je t'embrasse. J'ai avancé. Hop, on va sortir la pelote, comme ça va mieux. Attendez, il y a une deuxième pelote à sortir. Mon pull fil d'art avec le plastron à trous trous, c'est mes manches. Voilà, elles avancent.
Alors, j'ai fini les augmentations en 20 rangs. Quand je dis ça, c'est-à-dire une augmentation 20 rangs, une augmentation 20 rangs. Donc ça, cette partie-là est finie. Il me reste à faire deux fois, oui, deux augmentations sur 18 rangs. Donc ça fait 36 rangs. Et il me reste après 10 rangs de toute façon, ça c'est sûr. Il doit me rester moins de 10 rangs, peut-être 5, 6, je ne sais plus. Et les manches seront finies. Donc on va dire qu'il reste une bonne quarantaine de rangs à faire. 40, 45 rangs. Et mes manches seront finies. Voilà. Et le pull sera fini. Enfin, il faudra le monter. Voilà. Donc, hop, vous voyez. Là, je suis là. Donc au milieu du bras en haut. Voilà. C'est bien. Mon océan de jersey. Non, mais j'ai hâte qu'il soit fini de toute façon. En plus, il commence à faire froid, donc je voudrais bien le mettre. Voilà. Mais au moins, ça ferait un pull de fini. Ah, je serais contente. Voilà. Donc, il n'y a plus grand-chose. Je vous dis, il y a une bonne quarantaine de rangs encore à faire. 40, 45 rangs, et puis ce sera fini. Donc, comme j'arrive à faire 10, 12 rangs, ouais, par jour, je peux faire 10, 12 rangs. Donc, si je veux, si je m'y mets vraiment, sérieusement, je pourrais peut-être vous montrer un pull terminé. Peut-être. Peut-être. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein? Ce pauvre ours, on va pas le tuer. Mais voilà, on va essayer. Donc, hop, il n'y a plus qu'à. Et après, ben, ce sera le montage. Bon, le montage, enfin, si quand on travaille en aiguille droite, le montage, c'est le plus barbant. C'est, je le sais, je le reconnais. Mais bon, ça va. Et ici, vous avez vu, j'ai mis les deux mêmes sacs maintenant. Oh, mince. Oh là là. Oh, je mets tout par terre. Et ici, je suis contente, contente, contente. Hop. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle nous montre? Je vous montre que j'ai attaqué le devant parce que j'ai fini le dos. J'ai fini le dos aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui... C'est une laine à... Alors, vous voyez? À plus. Mais tout à l'heure, j'en avais plein mon pull noir. J'en avais partout. Donc, c'est un pull qu'il ne faudra pas que je mette avec du noir. Voilà. Alors, j'espère qu'il est assez long. Normalement, ça devrait aller, hein. Parce que je vous avais dit, encore je l'ai rallongé, hein. Je l'ai rallongé. Là, alors attendez. Qu'on est vieux, quand on reste assis longtemps. Alors, attendez. D'accord. Bon, c'est le dos, mais je vais le mettre devant. Oh. Oui, j'ai peut-être un peu court. Oui, c'est peut-être court. Pourtant, je l'ai rallongé. Bon, on verra. Une fois qu'il sera monté. De toute façon, ma ceinture, elle est là. Donc, ouais. Bon, on verra bien.
façon, je vais le. Je pense que je vais le bloquer, celui-là, de pull, quand il sera fait. Oui, bah, maman, là, elle n'a plus pour longtemps. Franchement, j'aurais dû encore rallonger un peu. Bon, tant pis, maintenant c'est fait. Hein. Hop. Vous avez la moitié de ma tête. Maintenant c'est fait. On verra bien. Mais de toute façon, ce n'est pas un pull fort épais. Vous voyez, il est. Je ne sais pas si vous me voyez à travers. Donc, c'est un pull avec lequel je vais quand même mettre quelque chose en dessous. Donc, je verrai soit pour mettre un long t-shirt et qui dépasse du pull ou une chemise. Je verrai. Donc, mais du coup, il me paraît court. On fera. On va faire. Il faut attendre qu'il soit monté de toute façon. Et puis, voilà. Donc, du coup, premier rang du devant, c'est fait. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour, hein, ça y est, je suis contente, j'ai avancé mes tricots, donc ça c'est bien. Il faudra que j'avance, que je termine aussi, c'est celui-là. Bah, si j'ai fini, oh, j'ai mal à la tête, excusez-moi. Si j'ai fini le fil d'art, après je vais terminer celui-là. Je l'ai pas repris, hein, depuis. Mais comme c'est un pull manche courte, c'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence. C'est un quoi celui-là? C'est un fil d'art? Ouais. Ah, j'ai pas le modèle là. Oui, c'est un fil d'art avec. Est-ce que j'ai le nom de la laine là? J'ai changé mes sacs, alors voilà. Bon, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Là, il me reste à finir le devant. Je suis arrivée à hauteur. Bah, vous voyez, je suis arrivée à cette hauteur-là. Donc, il ne me reste plus qu'à faire les deux côtés ici. Et après, à faire les deux manches. Donc, c'est des manches courtes qui vont jusque-là. Et c'est des manches trop trop. Trop trop. Voilà. Mais je vais le reprendre une fois que j'ai fini mon fil d'art. Voilà. Eh bien, écoutez, on s'est quand même fait une bonne vidéo. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me dire des choses, n'hésitez pas. Et on va se retrouver de toute façon tout au long de la semaine dans différentes vidéos comme d'habitude. Si vous avez des envies de vidéos, ben dites-le moi. Si je peux les faire, je les ferai sans problème. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais je ferai peut-être pas fin décembre, mais début janvier, je vous referai une récap. Alors, je voulais la faire une fois par an, mais je trouve que c'est long, une fois par an. Je vous en avais fait une au mois d'août, ouais. Donc je vous en ferai une début janvier pour qu'on refait. J'arrive. Mais ça rouge pète en plus. Viens maman. Viens. Viens. Viens, 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 viens. C'est lui qui rouge pète. Lui, il rouge pète. Oh, il rouge pète. Il rouge pète. Allez, attends. Laisse-le, hein. ouais, je vous ferai une récap. Des broderies terminées, voilà, peut-être avec peut-être une récap des avancées des 6 mois, et je vous referai une vidéo pareil récap de tous les de diamond painting de fait par Chouchou, et là il y en a, et l'année n'est pas finie. Mais ça, je vous dis, je vous ferai ça début janvier. Comme ça, chaque année, enfin, jusqu'au temps que je pourrai en faire, je vous en ferai une, donc, le mois d'août et une le mois de janvier. Voilà, ce sera parce qu'une fois par an, je trouve que ça va faire trop long. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse, parce que j'en ai deux qui veulent aller faire pays-pays. C'est surtout qu'ils entendent parler dehors. Donc, ils veulent passer leur curiosité.
Moi, en attendant, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis au montage. Hein. Vous savez qu'en ce moment, ben, j'ai toujours des soucis avec le montage des grosses vidéos. Mais ça devrait le faire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.